Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente dans la rubrique « J'ai reçu ça », la nouvelle trottinette AOVO LIRP. C'est la version R1 Pro Max. Il existe deux versions, la LIRP R1 qui sera noire et la Pro Max, celle-ci qui sera en couleur aluminium. Et petit aluminium tout le long là, c'est assez sympa. Comme d'habitude, comme toutes les trottinettes, tous les véhicules, motos, voitures, vélos, tout ce qui existe, tout ce qui roule, je vous présente ce produit en détail. Et ensuite, je vous fais un test pour voir l'autonomie et dans toutes conditions, sur l'herbe, sur la terre, sur route, partout. Et on teste l'autonomie complète. Elle est chargée à 100% et on va la décharger jusqu'à 0%. Je vous mettrai le petit trajet sur Strava ensuite pour vous donner une idée du trajet que j'ai réalisé. Bon, qu'est-ce que c'est que cette AOVO LIRP? Déjà, le tarif, ça commence à partir de 469 euros. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, il vaut 699 euros, puisque c'est la version Pro Max. Et celle-ci m'était livrée avec un panneau solaire pour recharger la batterie, ici qui est démontable. Avec le kit panneau solaire plus version Pro Max, 769 euros. Si on ne veut que le panneau solaire, il se vend 209 euros. Donc, c'est quand même plutôt intéressant de l'avoir en plus. Et en plus, il ne sert pas qu'à recharger ça, mais on peut connecter ses téléphones, il y a des prises USB, etc. Très intéressant comme produit. Cette trottinette, donc, la LIRP R1 Pro Max. Je vous donne les caractéristiques de celle-ci. Donc, un moteur de 500 watts, une batterie de 10,4 ampères-heure, une autonomie annoncée pour 40 km. On va voir ça juste après, puisque je teste, bien sûr, hein, à 25 km/h. J'essaye d'être le plus longtemps à 25 km/h possible. Moi, je fais 75 kg, voir l'autonomie qu'on aura. La version Pro Max, elle a des roues de 10 pouces. Et il y a la version R1 de base qui a une plus petite batterie de 7,8 ampères-heure, un plus petit moteur de 350 watts et l'autonomie, elle, sera de 30 km. Donc, on verra avec celle-ci ce que ça donne réellement. Il y a deux modes dessus, le mode éco et le mode puissance maximum. Et mode éco, bridé à 15 km/h. Comme on est en France, bridé à 25 km/h. Sinon, en débridé, je ne sais pas comment il faut le faire, ça peut aller jusqu'à 32 km/h dans les autres pays, à part la France. Au niveau du poids, on est à 18 kg. Alors, ce n'est pas forcément la plus légère. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout le poids de la batterie qui est ici, pas forcément en dessous. Et pareil, on peut enlever cette batterie. Je vous montre ça juste après. On a une garde au sol de 10,5 cm, ce qui permet de passer quasiment partout. Attention quand même lorsque vous descendez des trottoirs. Au niveau des roues de cette trottinette, c'est des pneus avec des chambres à air. Donc, on peut gonfler l'avant et l'arrière. Attention à toujours bien gonfler vos pneus pour avoir la meilleure stabilité et surtout ne pas crever. Frein, on a donc un frein de ce côté-là, ici, que je peux régler plus ou moins haut grâce à une clé Allen lorsque la trottinette est livrée. Pareil, au montage, il n'y a que deux choses à faire, c'est mettre ses poignets ici et serrer ce frein. Il y a bien sûr le petit outil. Pour ses poignets, il suffit juste de les visser. Alors, bon, je les ai bien serrés. Normalement, elles ne bougent plus une fois qu'elles sont montées dessus. Au niveau du freinage, donc ce frein est relié par câble jusqu'à l'arrière à un frein à tambour. Et lorsqu'on freine, on a bien sûr la petite LED ici qui clignote pour prévenir les gens à l'arrière qu'on freine. Elle est éclairée. Alors là, vous ne le voyez pas forcément de jour, mais de nuit, c'est super beau avec des LED bleues là sur le côté, des deux côtés du plateau. Superbe. Et à l'avant, on a la lumière qu'on peut allumer ou éteindre juste par ce petit bouton ici. Et également, on voit le LIRP éclairé tout en LED juste ici. Donc au final, on vous verra bien arriver de nuit avec le LIRP ici. Alors ça, c'est bien, ça marque vraiment la trottinette. Comme ça, tout le monde s'en souviendra. C'est écrit là, plus le plateau bleu. En vrai, elle a une vraie identité, cette trottinette. Ensuite, très simple, on l'allume et deux modes. Donc le mode soit éco, soit rapide. On a les réflecteurs à l'avant positionnés sur la fourche. Et puis, les petits liserés au niveau des roues sur les côtés. Franchement, elle est assez sympa. Au niveau des manœuvres, donc, sur l'avant, on a une partie ici que l'on desserre. Alors, il ne faut pas trop la serrer, parce que sinon, attention pour l'enlever. Donc, je dévisse ici, ce qui me permettra ensuite d'ouvrir le loquet et pouvoir la replier. Et ensuite, une fois qu'elle est dans cette position, là, je peux la transporter de cette façon. Elle reste verrouillée. Pour déverrouiller, je retire juste ici et je la remonte. Hop. Et ensuite, pour reverrouiller et avoir une meilleure stabilité, je resserre cette partie ici qui est une vis qui vient bien plaquer la potence et la fourche directement sur le support ici au niveau du jeu de direction. C'est plutôt simple. Au niveau de la batterie, ce qui est bien, c'est que j'ai un bouton commutateur on-off ici.
un port USB si j'ai besoin de recharger mon téléphone lorsque je suis en trottinette. Je mets le téléphone dans ma poche ou avec un support et j'ai le port USB pour recharger. Ça, c'est vraiment top parce que souvent, on met son téléphone et c'est juste de la batterie au final d'utiliser le GPS par exemple. Bien là, j'ai mon port USB, vraiment top, et l'endroit pour recharger, soit avec le chargeur dans la prise, soit avec mon panneau solaire. Ensuite, pour retirer cette batterie, c'est très simple. Ah, par contre, j'ai pas été intelligent, j'ai mis le frein trop bas. Alors, comme je l'ai pas trop serré, ça va. Je tire ici, hop, et la batterie amovible est juste ici. Deuxième truc très cool aussi avec cette batterie, c'est regardez, donc là par exemple, elle est éteinte, je peux l'allumer et juste avoir mon éclairage. Donc je peux m'en servir de lampe, mais non, je suis en camping, bah, je m'en sers de lampe ou sinon j'ai le LIRP ici qui est activé. Autre chose, enceinte portable, vous n'avez plus de batterie, vous connectez le chargeur USB et ça peut vous servir de batterie externe. Et en fait, ça fait une super grosse batterie externe. Si vous en avez besoin, partez en vacances par exemple, vous dites « Ah, j'ai pas de grosse batterie externe », ça, ça peut faire l'affaire. Et là, vous avez de quoi recharger pas mal de fois votre téléphone. Bon, hop, et je peux le rééteindre. Et je reglisse ça juste ici. Et voilà. Ça, par contre, j'aime vraiment le fait qu'ils aient mis un port USB et qu'on puisse recharger de cette façon. Ou même le fait du panneau solaire, qu'on puisse recharger cette batterie. J'ai pas besoin de laisser ma trottinette à l'extérieur. Je mets mon panneau solaire sur le balcon, la batterie à côté, et je recharge. Après ici, on a un très très grand plateau, bien large. Je peux vraiment mettre mes deux pieds l'un à côté de l'autre, même avec la béquille. Petite béquille métallique sur le côté. Un garde-boue ici pour la pluie qui est bien fixé, qui a l'air vraiment solide. Bon, pas mal, hein. Trottinette assez simple comme ça quand on la voit, mais au final, il y a pas mal de petits avantages. Et je vous montre l'écran, donc pour démarrer. J'allume la trottinette ici, on, et je reste appuyé sur démarrer. Alors, hop, voilà à quoi ça ressemble. Compteur vraiment très très simple, hein, kilométrage. Le compteur de batterie, donc ici on a 5 barres, on est à fond. Et ensuite le petit dé ici qui va changer de couleur selon les modes. Donc soit il est éteint, soit en blanc, soit en rouge pour la vitesse maximum. Voilà, c'est tout, tout ce qu'on a sur cette trottinette. Je vous remontre un petit coup ici, donc le bouton pour allumer, éteindre, le port USB bien pratique, cet endroit pour recharger la trottinette, un petit peu plus bas on a la direction, le gros plateau et sur l'arrière ce feu ici. Bon, il ne reste plus qu'à aller l'essayer, hein. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne sur la route, sur les chemins et voir l'autonomie de cette trottinette. Allez, c'est parti, donc je lance mon application Strava pour partir d'ici à zéro. Donc, enregistrer, démarrer, c'est parti. Donc, on est à tout à zéro. Et on va voir l'autonomie que je vais pouvoir réaliser. Je vais partir me balader. On commence par du chemin, comme vous pouvez le voir là, ensuite de la route et autres. Et on teste l'autonomie. Le but, c'est quasiment tout le temps d'être à 25 km/h, la vitesse réglementaire max, puisque c'est vrai que sur la route, on sera souvent à cette vitesse. Quelques freinages et autres. Et après, bah, l'utilisation normale. Et je fais la plus grosse boucle possible. Et j'espère pouvoir rentrer pas très loin de chez moi, l'autre côté là-bas. Bon, c'est parti. Je vous mets sur la tête. Donc là, vu d'ici, comme je vous disais, on allume. Là, j'enlève ma béquille, je reste appuyé. Ici, trottinette démarrée, on va faire le tour du lac. Alors, je vais commencer avec le mode le moins puissant. On n'a pas de démarrage directement à l'arrêt, ça c'est dommage. Donc, il faut d'abord lancer la trottinette et ensuite, ça roule. Donc, le tout premier mode, c'est vraiment très très lent. Je pense que c'est réservé vraiment aux tout petits enfants. 4-5 km/h maximum dans ces conditions. Alors là, je ne vais vraiment pas aller loin. Mais pour les enfants, si vous prêtez vraiment à vos tout petits, ça peut être assez intéressant. Allez, on passe directement au mode 15 km/h. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, ça patine un petit peu. Regardez, écoutez, si je suis un peu sur l'arrière, ça patine de l'avant. Donc, on se positionne bien les pieds au centre. Et on reste droit sur sa trottinette pour pouvoir avoir le maximum de grip sur la roue avant. Donc le mode éco, c'est celui-ci, c'est 15 km/h. J'ai pas de régulateur dessus. Donc quand je reste appuyé, 15 km/h. 15 km/h, bon, bah là on est sur du chemin ici, c'est plutôt de bonne qualité comme chemin. J'ai pas trop de vibrations, le fait que ce soit des pneus à l'avant et à l'arrière, on garde un petit peu plus de confort. Ça reste plus agréable. Et je vous avoue que là, bah, il y a un petit peu de vent, il fait frais, mais regardez comme c'est beau de se balader
dans ce genre d'endroit. Allez, on va passer directement en mode maximum, 25 km/h. L'accélération n'est pas brutale, on sent qu'il y a du couple quand même, mais c'est très progressif. Là, on arrive à 18 km/h, 19, 20, 21. On voit que c'est une trottinette vraiment, vraiment progressive, plus vraiment avoir un bon look, mais elle n'est pas nerveuse. Et d'un autre côté, c'est plutôt avantageux d'avoir une trottinette qui n'est pas trop nerveuse et qui roule quand même là, donc à 24-25 km/h tranquillement. Du petit gravier. Comme on est sur des pneus, je vous disais, ça filtre un petit peu tous les défauts. Donc au final, ça en fait que c'est pas inconfortable. Hop. Attention par contre, dans les graviers, à ne pas accélérer n'importe comment. Et c'est reparti. On va faire le tour du lac. Et ensuite, voir sur de la route. Donc même à 20, ne gonflez pas trop vos pneus pour pas que ce soit trop dur et pas que ça éclate. Il n'y a pas de freinage régénératif, le frein me gère le frein arrière, donc j'ai moins de risque également de tomber sur ce genre de sol. Et si je bloque l'arrière, au pire, je vais faire un dérapage. Mais là, vu comme il est réglé, le frein, il n'est pas trop puissant. Donc au final, vous n'allez même pas faire dérapage, mais vous allez avoir un freinage qui vous ralentit bien en toute sécurité. Regardez, par exemple, là, je freine fort. Ça m'arrête. Allez, une grande ligne droite, on va essayer de se prendre les 25 km/h ici. C'est parti, on lance la trottinette. Et let's go. Allez, 13. Donc c'est d'ici, je ne sais pas si vous voyez. 17, 19, 21, 20, 21, 22. Bon, c'est un petit peu long à aller aux 25 km/h, malgré le fait que ce soit celle-ci, la 500 watts au niveau du moteur avant. Donc je vous conseillerais vivement celle-ci, si elle fait 500 watts et que l'autre c'est une 350, il vaudra mieux un petit peu plus de puissance. Donc là, je tourne autour de 22-23. Il y a un petit peu de défaut. Je fais un petit peu en montée. Là, dans la descente, elle reste aux alentours 23-24. Bon, j'ai pas réussi à atteindre les 25 encore. Là, ça monte un peu. On va bien sûr se faire une côte juste après, voir ce que ça donne également en montée. Oh non, il reste toutes les pâquerettes. Bon, en tout cas, c'est agréable. Par contre, en montée, on voit qu'elle est déjà un petit peu à la peine. Hop. En tout cas, elle est plutôt agréable. Elle filtre bien les défauts, malgré le fait qu'il n'y ait pas du tout de suspension. Mais ça, c'est le fait d'avoir deux pneus. Bon allez, je vous reprends un petit peu plus loin sur de la route. Je vais mettre mes gants parce qu'il fait froid en plus. Bon allez, ici terrain beaucoup plus dégradé avant de reprendre un peu la route. Donc en pliant un petit peu les jambes pour ne pas rester trop droit, on amortit un petit peu les anomalies de la route. Donc, l'avantage également d'avoir les roues en 10 pouces, c'est que ça va être plus facile de passer dans des trous. Parce que plus vous avez des roues petites, plus vous avez de chances de tomber. Après là, elle fait un petit peu de bruit celle-ci. Alors je ne sais pas s'ils ont mal serré un petit peu le jeu de direction ou s'ils ont oublié une petite rondelle. Alors j'espère que c'est un défaut qu'il n'y aura que sur la mienne. Ça secoue un petit peu. Et comme je vous dis, si vous avez les jambes un poil pliées, au final ça amortira un peu. Mais vraiment, ah, oh la vache, ah, ouais, ça, ouais, c'est vraiment pas fait pour. Si vous voulez faire ce genre de terrain ou ce genre d'endroit abîmé, je vous conseille pas ce genre de trottinette, clairement. Parce que c'est trop rigide. L'idéal pour faire ce genre de chemin, c'est quand même d'avoir des suspensions. Donc je vais passer, hop, sur un endroit un petit peu moins dégradé ici, où les gens roulent en vélo, ah, ça va déjà un petit peu mieux. Sur du dégradé, ah, c'est vraiment pas fait pour. Donc celle-ci, je vous la conseille plus pour de la route vraiment. Coucou les canards. Hop. Et on repasse sur du plus roulant avec la route un petit peu plus loin. Donc ici, ligne droite. Et on va se faire une petite montée. Alors la montée est pas très raide, en vélo elle pique un peu. En trottinette normalement ça devrait aller puisque c'est pas moi qui force. Alors là ça commence à monter très légèrement et à partir du croisement ça commence à monter un petit peu plus. Donc je suis toujours en mode puissance max. Allez, bon, il y a quand même pas mal de petits trous, pas mal d'anomalies. Et c'est là qu'on se voit quand on est en trottinette comme ça. Puis les routes sont pas en très bon état.
Alors là, dans la montée, voilà, je suis à 17, 16. Elle perd quand même pas mal hein, de vitesse. 15 km/h, c'est pas foufou hein, dans la montée ici. Surtout qu'elle a un moteur puissant et qu'elle est censée aller jusqu'à 32, celle-ci, normalement. J'aurais bien aimé qu'elle reste au moins à 25, quoi. Bon, en tout cas, je force toujours pas, ça monte tout seul. Mais je pense pas qu'elle soit fan des grosses montées. À mon avis, à Montmartre, vous monterez pas avec cette trottinette. Bon, par contre, on a toujours un avantage, c'est de pouvoir se faufiler en ville, suivre les voitures. Bon, je vais essayer de reprendre des petites routes, parce que là, ça va pas forcément être l'idéal par ici. Alors là, je suis dans une côte qui monte pas mal. On va voir si elle y arrive. Allez, je l'aide à se lancer. Et on va voir si elle arrive à monter. Donc j'en suis... J'ai perdu 2 barres déjà. On va voir si on perd une autre ou pas dans cette montée. Donc je vais pas aller aussi loin que je pense. Après, ça dépendra de la trottinette. Mais voilà, par exemple, une montée comme ça. Alors, c'est quand même assez raide. Non, elle galère. Là, je suis à 5 km/h, donc... Soit je peux l'aider un petit peu, donc je mets des petites impulsions qui vont l'aider un petit peu. Là, je retourne aux alentours de 10 km/h juste en mettant des petits coups de patinage comme ça. Parce que, effectivement, hein, c'est pas hyper puissant. Alors, il y en a des beaucoup plus puissantes si vous prenez des dual moteurs ou autres, mais c'est effectivement pas les mêmes tarifs ensuite. Bon, hop, et je l'aide un peu. Allez, on arrive en haut. On continue la balade. La forêt. Ah, je crois. Voilà. Ah, il y a une barre encore qui s'est enlevée. Alors, je vais me mettre sur le côté. Bon, je vais me mettre ici au soleil, dans l'herbe. Donc, j'ai perdu 3 barres. Ça veut dire que j'ai perdu plus de 50% de l'autonomie. Et j'ai réalisé pour le moment 8 km. 8,5 km. Ah oui. On est très très loin de ce qui est annoncé par la marque. Hein. En tout cas, à 25 km/h, ce qui n'est pas une vitesse énorme pourtant. Bon, bah allez, je continue. J'espère que je vais pouvoir rentrer chez moi parce que 8,5, j'ai perdu 3 barres. Il m'en reste que 2. Bon, bah, je croise les doigts. Ah, la barre revient, la troisième. Je vais plutôt rester aux alentours de chez moi parce que j'ai pas envie de rentrer 9 km à pied. Et pourtant, mon ami habitait beaucoup plus par là-bas. Encore à 4-5 km par là. Je vais pas tenter. Allez, je continue par ici, moi. Je vous reprends un petit peu plus tard pour voir le reste et quelle sera l'autonomie réalisée au total. Bon courage messieurs pour le permis moto. Alors, je viens de reperdre encore une barre, il me reste une seule barre d'autonomie et j'ai réalisé 11 km 80, donc même pas 12 encore. Je croise les doigts pour rentrer jusqu'à chez moi qui est par là là. Est-ce que vous pensez qu'une barre, elle peut me ramener? Ah là 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 là. Bon. Enfin, je continue. Hein. Allez, ça repart. Priez pour moi, pour que j'arrive à la maison sans avoir trop faire du patinage avec la trottinette. En tout cas, ça fait du bien. Il fait beau. Les bois, j'adore. C'est cool, n'empêche, ce genre d'engin. On n'a pas trop à forcer. On peut quand même aller se balader. Effectivement, si on a par exemple un petit peu mal aux jambes ou autre. Bah, on peut quand même se faire des balades et aller profiter un petit peu du paysage. Ça, c'est très agréable. Bon, je vous reprends dès qu'elle s'arrête, à partir du moment où elle a plus de batterie. À toutes. Bon, je suis retourné à peu près d'où je suis parti. La dernière barre clignote ici. Et j'ai réalisé exactement... Alors, retour comme ça... 14,85 km, donc en gros 15 km, elle clignote un petit peu. Et bon, bah, ouais, c'est beaucoup moins que ce qui était annoncé. 15 km, c'était annoncé jusqu'à 40 km, mais dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec le mode éco et avec personne 75 kg. 75 kg, c'est exactement mon poids. Donc bah, y a quand même pas mal en moins. Hein. J'aurais bien aimé au moins 20 km avec cette trottinette parce que ce qui est dommage, c'est qu'elle est quand même vraiment très très cool. Parce que si on regarde le look, bah. Avec les LED et autres, elle a quand même du style, même de nuit. Avec l'éclairage, c'était plutôt sympa. Par contre, l'autonomie, malheureusement, c'est pas ça. Si c'est pour aller bosser, que c'est à 4-5 km chaque jour, bon, pourquoi pas. Mais pour les longs trajets, c'est pas forcément celle que je vais conseiller. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, comme ça, là, hop,
on met le petit pouce bleu, on s'abonne. Et s'il y a d'autres choses que vous voulez que j'essaye sur la chaîne, n'hésitez pas. Si vous êtes une marque et vous voulez m'envoyer quelque chose pour que je le teste, moi je suis open pour tout ce qui roule. C'est parti. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.